les beauty, une nouvelle vidéo pour vous présenter la Birchbox du mois d'avril. Donc on l'a reçue dans un petit colis tout rose, tout mignon ce mois-ci. Et comme d'habitude, la boîte n'a pas changé, c'est toujours la même, en carton un peu, enfin en bois un peu naturel. Je vais vous présenter ce qu'on a reçu ce mois-ci. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, vous pouviez y trouver le menu. Donc le thème de ce mois-ci, c'est Fragrant Délice. Donc c'est sur le thème de Pâques, des chocolats, de la gourmandise. Enfin bref, tout ce qui est pas bon pour nos fesses et pour nos cuisses. Mais ça va, Birchbox a pensé à nous et c'est pas forcément des chocolats qui nous ont mis dans la box. Donc voilà, le petit menu se présentait comme ceci. Et ce mois-ci, on avait alors 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 7 produits plus un petit bonus et je vous présente ça tout de suite. Comme d'habitude, on a les petites cartes à l'intérieur de la box. Ce mois-ci, elles sont plutôt sympathiques. Donc vous avez celle-ci, voilà, Fragrant Délice. Vous avez celle-là pour le goûter. Vous avez celle-ci, Tout Doux, Récréation et Bonne Nuit. Voilà, donc derrière en fait vous avez des petites astuces pour utiliser certains goodies qui ont été mis dans la boîte, des aliments qui nous veulent du bien, donc tout ce qui est poisson, légumes, etc. Un make-up gourmand, donc si jamais vous voulez vous faire un petit make-up tout rosé, tout printanier. Alors, comment avoir un joli sourire, donc des conseils pour garder vos dents blanches et des conseils aussi pour avoir un teint. Un joli teint allé pour cet été. Donc le petit pochon ce mois-ci était d'une couleur un peu jaune orangé, voilà, comme ceci. Hop. Et je vous détaille les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc le premier produit que je sors, c'est un produit de la marque d'Avinès. Donc je vous l'ai présenté dans mes favoris du moment. C'est un All-in-One Milk, donc c'est un traitement pour les cheveux, donc qui ressemble un peu à un lait et qui se présente comme ceci. Donc on a ici un petit flacon de 50 ml. Et ce que Birchbox nous en dit, pensez au bol de lait que vous preniez chaque matin. Indispensable, non. Ce nouveau soin multifonction va vite le devenir pour vos cheveux. Il hydrate, démêle, fait briller, protège de la chaleur. Bref, un petit lait que vos cheveux vont avoir envie de siroter toute la journée. Et franchement, je l'adore, je trouve que c'est un produit très efficace, qui hydrate correctement les cheveux, qui ne l'alourdit pas, qui le rend très souple et c'est vraiment très agréable. Donc le full size est de 135 ml et coûte 23,50 €. Donc là on a quand même de quoi tester, on a 50 ml et j'aime beaucoup sa petite odeur un peu légère, enfin ça sent le coiffeur, j'aime beaucoup. Deuxième produit que je sors de la box, c'est un produit de la marque La Sultane de Saba et c'est le Voyage en Orient, donc le gommage aux protéines de soie à l'ambre, musc et santal qui se présente comme ceci. On a une petite miniature de 40 ml ici, voilà, et ça sent super bon, ça sent, je sais pas, si vous aimez les odeurs orientales, c'est magique, on se croirait dans un vous savez, les spas marocains. On se croirait vraiment dedans. Alors je ne l'ai pas testé par contre ce produit là, mais il est clair qu'il va arriver très très vite dans ma douche parce que l'odeur c'est vraiment une tuerie. Enfin, moi j'adore. Donc ici on a 40 ml et le full size est de 300 ml et vaut 34 €. Donc c'est quand même des produits qui valent assez cher à la Sultane de Saba. Donc ce que Birchbox nous en dit, après plusieurs mois cachés sous des épaisseurs, l'épiderme est irrité. Utilisez ce gommage une fois par semaine pour faire peau neuve, le parfum venu d'Orient est addictif. Le plus, faites suivre du lait corporel ambre oriental pour un sillage qui dure. Franchement, ouais, s'il y avait le lait, ça aurait été génial. Parce qu'au niveau de l'odeur, enfin moi j'adore un peu toutes ces odeurs orientales et tout ça. Donc, à tester, je vous dirai ce que j'en pense au moment des produits terminés. Ensuite, le troisième petit produit qu'on a eu, et là j'étais vraiment contente parce que c'est une marque que j'ai envie de tester et que je me tâte toujours à me lancer, c'est la marque The Balm. Et on a eu donc le How About Them Apples. Donc c'est une crème pour les joues et pour les lèvres qui est tout mimi, tout petit, voilà, qui se présente comme ceci. Et les packaging de The Balm, et voilà quoi, je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est trop mignon. Et donc moi j'ai eu la couleur, alors, Pie, qui se présente comme ceci.
Voilà, donc c'est un petit corail rosé, vraiment très joli, assez flashy quand même. Et donc à côté, vous avez les autres couleurs sur lesquelles vous pourriez tomber. Donc voilà, moi j'ai eu paille. Et je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. La couleur est vraiment... Enfin, voilà quoi. C'est hyper pigmenté, c'est The Balm. Et franchement, alors après, est-ce que je le mettrai sur mes joues? Je sais pas. Peut-être travailler au pinceau, à voir. Donc c'est quand même assez pigmenté. Je sais pas si vous allez voir bien la couleur. Donc ouais, c'est un peu un petit corail. Et je pense que pour ce printemps, ça va être magnifique sur les lèvres, honnêtement. Au niveau de l'odeur, ça sent pas grand-chose. Il n'y a pas forcément une odeur particulière, mais je suis quand même assez contente d'avoir reçu ce produit. Vraiment, ça me fait très plaisir. Je crois que là, pour le coup, Birchbox, vous avez tout juste. Donc, là, on en a un tout petit qui fait combien? Qui fait 0,57 grammes, pardon. Le full size est de 20 grammes et coûte 25 euros. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pas besoin de passer chez le médecin avec ce mini blush à croquer, une teinte gourmande à poser du bout des doigts sur les lèvres façon j'ai mangé des fruits rouges, trop mignon, ou bien sur les pommettes pour une mine extra fraîche. Bah franchement, je trouve que c'est bien d'avoir des produits un peu deux en un comme ça. Moi j'aime bien parce que voilà, quand vous partez en voyage ou quoi que ce soit, vous n'avez pas forcément envie de vous ramener avec votre bronzer, votre blush, votre rouge à lèvres, votre poudre, votre machin. Et là c'est vrai que du coup, ben, ça sert pour les deux, pour les lèvres et pour les joues. Et c'est vraiment une couleur... Enfin, j'aime beaucoup quoi, c'est très printanier, c'est très corail, c'est vraiment joli, donc ça je dis oui. L'autre produit qu'on a reçu, c'est un vernis de la marque Color Club qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai un peu en blanc nacré, voilà. Et alors, c'est la référence Heirloom Pearls. Voilà, donc moi c'est cette référence que j'ai. Et c'est effectivement un vernis un peu blanc nacré quoi. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et donc c'est en fait des petits kits qui sont vendus sur le site de Birchbox. Normalement c'est 17 euros les 4 vernis, donc nous on en a un. Alors donc c'est apparemment la Galas James Collection. Et donc c'est une exclusivité Birchbox. Donc la blogueuse et socialiste espagnole Gala González a imaginé une collection de vernis façon macaron. Parmi les quatre couleurs, cet ivoire blanc riche en nuances comme la surface de la lune et les nuits de printemps. Retrouvez l'interview de Gala sur les dessous de cette création sur birchbox.fr. Ok. Donc ouais, voilà, bah, à tester. Il m'a l'air assez opaque. Alors après, au niveau du pinceau... Ah ouais, c'est bien. C'est pas un pinceau tout fin, il est assez épais. Hop. Ça focusera pas... C'est pas grave. Enfin bref, la couleur elle est assez opaque, alors pourquoi pas. Je trouve que c'est vrai que le blanc ça fait quand même des mains assez propres. Donc à tester. Et là franchement j'étais trop contente parce que ça fait très longtemps aussi que j'ai envie de tester ce produit parce que tout le monde en parle sur la toile. On a eu une petite miniature de la crème égyptienne magique. Voilà. Donc là franchement trop heureuse. Voilà, donc ici on a eu une petite miniature de combien de millilitres? De 7,5 millilitres, mais je trouve que c'est déjà pas mal pour tester. Le full size, lui, alors il y a deux full size, donc vous avez soit le 59 millilitres qui est à 25 euros, soit le 118 millilitres qui est à 40 euros, et vous pouvez le trouver sur l'e-shop de Birchbox. Donc qu'est-ce qu'ils nous en disent? Si les tours de magie faisaient notre bonheur il y a des années, aujourd'hui on a plus de mal à y croire. Pourtant cette crème hydratante est bel et bien une magicienne. Rougeur, tiraillement, maquillage, petits boutons, elle fait tout disparaître sur son passage. Pas étonnant qu'elle fasse partie de nos best-sellers et de la trousse de toilette de 90% des actrices de Hollywood. Et ben pourquoi pas. Donc ça se présente un peu sous forme de cire comme ça, vous voyez. C'est assez compact et ça sent pas grand chose, ça sent un peu la cire, voilà. Il n'y a pas vraiment d'odeur, donc franchement hâte de tester ce produit et de voir ce que ça donne. J'espère que ça ne donnera pas plus de boutons, je pense pas, puisque visiblement... c'est censé réparer la peau. Donc bah écoutez, trop contente quoi. Le dernier produit qu'on a eu dans la Birchbox, c'est un produit de la marque BeFind et c'est le Food Skin, donc le Single Serve Night Cream, qui est à la noix de coco au millet et au riz complet, voilà, qui se présente comme ceci. Donc là on a un format de 10 ml quand même, donc c'est pas mal. Donc moi je le laisserai pas là dedans parce que bah ça sèche quoi, vous voyez, un peu comme les
comme les bases à paupières de chez Urban Decay. Moi, je les ai sortis, je les ai mis dans un pot. Je ferai pareil pour la crème de nuit et je testerai. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ok, donc c'est une crème en fait régénérante pour la nuit qui est sans parabènes, sans protéines végétariennes allergènes et sans fragrance. Donc, que demande le peuple? Donc, qu'est-ce que nous dit Birchbox? Donc, le full size est de 50 ml et coûte quand même 25 euros. Donc, c'est pas donné. Ne mettez pas sur votre peau ce que vous n'aimeriez pas manger. C'est un peu le message que souhaite faire passer cette marque américaine très engagée dans ce soin de nuit, du chocolat, des grains de riz soufflés. Rien qu'on ne voudrait pas voir dans notre assiette. Bref, un régal. Donc, ouais, franchement, c'est pareil. J'ai hâte de tester parce que BeFine, c'est une. C'est une marque que vous pouvez trouver aussi sur Fragrance Direct, il me semble. Vous pouvez trouver des brumes et des laits corporels. Et je me tâte en fait. À chaque fois, je vois ce petit packaging, j'ai envie de l'acheter, donc je me tâte. Après, sur Fragrance Direct, j'ai pas eu de soins pour le visage ou quoi que ce soit. Donc ce sera l'occasion de tester et de vous dire ce que j'en pense aussi. Donc le petit goodies que nous a mis Birchbox ce mois-ci, c'est une petite canette de Cacolac. Donc là franchement, j'étais super heureuse parce que pour vous dire, je crois que ça doit faire des années que j'ai pas eu de Cacolac. Et j'adore ça, enfin genre moi le chocolat c'est... Enfin voilà, c'est une grande histoire d'amour, j'adore le chocolat. Et du coup bah, de recevoir une petite canette de Cacolac, j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Donc eux ils vous disent en fait que ça remplace le chocolat de Pâques. Moi je trouve que c'est génial, enfin on est des, voilà, on est des adultes, ça nous empêche pas de manger du chocolat. Mais c'est vrai que le Cacolac franchement c'est toute ma jeunesse quoi, voilà. Donc voilà les filles pour cette Birchbox de ce mois-ci. En tout cas moi j'ai été super heureuse de tous les produits que j'ai reçus. N'hésitez pas à me donner vous vos avis sur ce que vous avez reçu. Vous avez peut-être eu des choses qui ont différé ou quoi. Ce que vous en avez pensé et si vous avez testé un peu plus de produits que moi. En attendant je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.